bonjour tout le monde, c'était Camon, nous sommes le dimanche 6 novembre déjà, et oui, et on va entamer ensemble l'épisode 15 qui sera important, je l'espère, il faut sortir du train-train, il faut aller dans l'avant, dans le jeu, dans le plaisir, allez, c'est parti! Alors, je voulais voir quelques petits trucs, je crois, mais je ne sais plus quoi, évidemment, quand j'en prends une partie, j'ai un peu oublié. Ah oui, Darmolo, est-ce que je te laisse là? C'est un peu dangereux, on va peut-être le ramener un petit peu dans nos frontières à Kemenu, on va voir ça. Jusieux de par ici, c'est bon. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais parlé de la roue qu'on avait débloqué. Et on le fera à Saïs, finalement. Sur les commentaires, c'est OK. Donc, après l'arbalétrier, faire d'abord une usine, je pense, et on fera la merveille ensuite. Peut-être acheter du terrain, d'ailleurs. Voir ça, très bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre d'intéressant qui va arriver? Alors, on a commencé les quartiers résidentiels. Les égouts, pas encore forcément, mais voilà. Voilà. Je me souviens, j'ai commencé à construire le grand Colisée. Je crois au début que c'était un ajout au parc de loisirs, mais pas du tout, c'est une merveille. Et ce truc va être une tuerie. Si on peut regarder, bonus de culture et d'activité de Colisée s'étend à tous les centres-villes dans un rayon de 6 cases. C'est-à-dire que Thèbes va bénéficier d'activité, je pense. Rakedet dans les 6 cases, oui. Et Memphis aussi. Et en statut de ville, d'ailleurs, on, ça fera du bien, parce qu'en activité, bon, on est heureux. Non, dans le sens, ça va. Ça va être un boost. Ça va être génial. Allez, tout de suite dans le jeu, à fond. On lance le tour. Côté classement mondial aussi, je n'ai pas trop regardé, mais on est en tête en sciences, on est en tête en culture, en militaire, on est le gros royaume, finalement. Sauf en religieux, évidemment, la Chine. On tenait en quatrième place, mais on n'a pas de religion, nous, donc bon. Et on voit qu'ils ont converti le Japon, 10 villes du Japon. C'est embêtant. Donc on va peut-être attaquer franchement la Chine. Voilà. On va voir ça. Alors, une défense, oui. Complètement. Alors, les alarmes en rouge, finalement, activité et habitation, je ne les regarde plus. Je préfère regarder le rapport, si ça va à la ville ou pas. Rakedet, justement. On a le colon chinois qui est par là. Bon, côté commerce, je ne m'inquiète pas, ça marche très bien. On va avoir une plateforme commerciale, hein. Un temple, non. Université, est-ce que je fais université quand même de la science? Ou je fais clairement... je peux faire un autre espion pour la défense. D'abord un arbalétrier, en urgence. Et trois. On n'avait pas vu Memphis dans le rouge pourtant. Memphis de son... Ah, satisfait. Oui, bon, d'accord. Memphis et Saïs. Ça va venir, les gars. Ça va venir. Dans 3 tours, c'est réglé pour Memphis. Et Saïs... On va voir. Alors, j'ai remarqué autre chose. La carte stratégique. On voit bien les routes. Ça, c'est excellent. On les voit bien tracées. Donc ici, si je surveille un petit peu... Du Caire, il faudrait que ça reparte vers Saïs. Ou ouais. Il faudrait que ça continue par là. Tokyo ou Saïs. Qu'on fasse quelque chose. Sirène, c'est bon. Là, c'est bien greffé. Commercial, ok. On va te désenclaver tranquillement. Tu viens de naître, c'est pour ça. Gizet, pareil, il faudra te désenclaver. Et il faut envoyer donc des marchands jusqu'à Kemenu. Très bien. Et le tour continuait. Hop. Donc là, on a gagné. On va libérer le cavalier. C'est marrant que ce soit pas un chevalier, d'ailleurs. On va l'envoyer par là pour aider à nos guerres contre les barbares, finalement. Et on peut obtenir un personnage illustre, ce sera l'amiral. Ok, on le prend. Le développement de notre flotte. Oui, le développement de la flotte n'existe pas, on est au courant. Très bien. Ici, tu as un soldat, combien de temps ça te prendrait de faire un arbalétrier? 15, négociant 10. Ah, mine de rien, t'as encore une petite ville. Hein. Je préfère que tu me fasses ça marcher, ouais. Chantier naval. Fais-moi marcher. On va se développer au commerce. Saïs, alors. Je ne vais plus t'embêter. Le Ruhr, voilà. Alors le Ruhr, il faut une usine adjacent à la zone industrielle, adjacent à une rivière. Donc c'est bien ça. L'usine sera là, il faudra virer ce truc là. On fait l'usine, c'est parti.
Il faudra donc que je prenne un pâtisseur pour virer ça. Au niveau de l'espionnage, en même temps, on est en train de piquer de l'or chez les Grecs dans 6 tours. Très bien. On monte à 10 routes commerciales. C'est marrant que ça augmente ça par contre. Et toi, on va te changer de ville. Si on fait la guerre aux Chinois, bon, on peut le mettre à Gizeh ou. On peut être général et amiral en même temps dans une ville. Ça, c'est bien. C'est pas la même activité. Très bien. Unité en attente d'ordre. Alors, le bâtisseur, oui, bah une activité pour Memphis, clairement. Fais-moi du sel. Voilà. Et on passe le tour. Je sais pas, je pense pas qu'on aura le temps dans cet épisode de faire la Roue, mais on est parti pour, hein. Ok. La Chine dénonce ses actions malveillantes du Japon. Ils vont se taper sur la tronche, hein, tous. Par contre, les cités-états, oui, on contrôle, on gère bien. Mettons-nous à genoux et prions. Je ne sais pas qui. On a déjà un saint pour la balistique ou pas encore? Unité d'attaque de distance de l'industriel. Je crois que ça va augmenter, ça va changer. Bah oui, on peut plus faire d'arbre et d'étrier du coup. Ah! Ah bah on va booster tout ça de toute façon. Ok, est-ce qu'on peut les mettre ensemble? On peut les mettre ensemble. Punaise. L'amiral Tudor. On va faire un test. Oui, c'est ça. Et ça coûte 115. Ça coûte beaucoup moins cher. Et toi, tu as combien d'actions? Tu en as 4. Ouais, eh ben, c'est parti. Une activité pour Kemenu, ça sera bien. Merci. On va t'augmenter toi aussi. Allez, on est parti pour améliorer toutes les unités de défense. Anneken. Donc Gizeh, Mendes est mort. Le Caire, oui. Ça aussi. Chedet, évidemment. Qui me fait un colon Chedet. Apu, il n'y a pas de défense. Parce que c'est grave qu'il n'y ait pas de défense à Apu, t'es en plein centre. On va développer une petite unité d'abord. Je crois que j'ai perdu Nice l'explorateur. On va faire un Ranger. Voilà. On va améliorer l'éclaireur. Alors, à nous, Kemenu. Kemenu. T'es mignon comme tout. 44 le. Pff, campus, le sein. Tu veux qu'il fasse quoi? Allez, fais-moi un négociant. Pour l'instant, t'es une petite ville. On va pas t'embêter. Bien. Alors je me retrouve avec un mousquetaire, évidemment, super. Ok. Attends, on va réfléchir. Voilà, on va bouger comme ça. Je vais te laisser en blocage ici pour l'instant, Darmolo. Pas aller trop loin dans ce camp barbare là, ça pue. Et oui, il va falloir que je fasse des bateaux. C'est très clair. Abydos, tu finis le phare. Je pense que Thèbes va se taper à la construction d'un bateau en urgence. Et on va voir l'effet du Colisée. Attention. Dès que le tour est fini. Tant que le Colisée résistera, Rome restera debout. En s'effondrant, le Colisée entraînera Rome dans sa chute. Et dans sa chute, Rome entraînera le monde. Ouais, ouais. Belle citation. Les Jeux de Rome pour le royaume d'Égypte et de Cléopâtre. Jules est venu te voir. J'aime bien les étapes de construction, c'est les statues, tout ça. Regardez ça. Hop. Et donc, ça a dû donner de l'activité à tout le monde. On voit le rapport. Anlies. Et Thèbes, Anlies. Ces trois villes sont touchées. Oh, c'est génial. Alors on est à Thèbes, je disais que je manquais de bateaux, de toute façon là, est-ce qu'il y a besoin d'une zone industrielle pour l'instant? Ça peut attendre. Je manque vraiment, alors un corsaire, ça serait pas mal. Puissance de combat rapprochée 40, attaque à distance 50, portée 2. Et lui il tape un peu plus fort. Ah bah non, on va commencer par faire une frégate.
Allez, t'es mon grand porc. Abidou, c'est ce que tu en fais aussi bien. 19 tours, non. Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Chantier naval. Tu veux un campement ? Tu as fait une zone industrielle, c'est bien. Là, je suis embêté. Chantier naval. Expérience 25% productivité navale formée dans cette ville. Bonus de production équivalent bonus de productivité du port. C'est pas un truc en plus, hein, finalement. Bah, fais-moi un corsaire. Tant pis, ça va plus de tours, mais c'est utile aussi. Ah, j'ai quelque chose. Rakedet a vu un espion de l'Empire chinois abattu lors de mission. Ah, c'est bien ça. Saïs a besoin de maison. Mais oui, non, on fait une usine d'abord. Ok. Bon bah, on fortifie le petit bonhomme. En position des armées. La bombarde, tu peux aller en place, hein, après tout. Ok. Ah, on avait dit que Saïs au Caire, il n'y avait pas de route. Je me souviens. Alors le Caire, eh ben on va t'envoyer au Caire. C'est parti. J'ai un bâtisseur qui est là. Une activité. Allez, Kemenu, on va t'aider. Ok. Alors je viens de voir quelque chose de très bizarre. Former un régiment, c'est quoi ça? On l'a pas. Vous voyez pas les deux étoiles quand je fortifie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Former un régiment. Bien sûr. C'est quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Tu vas trouver le régiment. Recherche, hein. Non, il veut pas. Ah bah tiens. On le trouve pas, évidemment. Promotion unité militaire. J'aurais bien voulu l'info. Ça c'est les unités, combat aérien, combat naval, ok, 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 soutien, non, redéploiement, chiltron, apôtre, assaut en mer, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, je sens que là la question est posée, si vous savez l'utilité du régiment, on verra, sinon on va le tester, mais technologie, dogme, bon, je vois pas pour l'instant. Et tu es là. Ah, c'est ici, il y a une défense. Donc, j'avais vu que Apu n'avait pas de défense. Allez, go. C'est long à refaire une unité de défense, une armée, parce que finalement, il faut les. Bah, ça là, il y a 8 tours, le canon de campagne. J'ai encore une armée. Ici, c'est bon. J'ai deux militaires. À ramener. Bon, en même temps, j'amène ma cavalerie. C'est vrai, je vais pouvoir libérer mon fantassin d'Armolo. Il en est où, lui? Amène tes fesses. Allez. Le salpêtre, oui. Bravo. Et on passe le tour. Nous arrivons en 1690, peut-être. Ah, nous sommes déjà au fin 17e. Alors. On va aider Abydos. Ouais. Ouais. Clairement. Hop. Tour suivant. Ouais, ça y est, c'est magnifique.
Les frontières s'étalent pas si vite que ça, hein. Ça se touche pas trop le royaume pour l'instant. J'ai l'impression que ça allait plus vite dans CIV5, mais ça c'est une simple impression. Mais bon, graphiquement par contre, c'est vrai que je suis habitué, vous aussi je suppose. C'est riche, hein. Regardez le petit wagon qui va dans la mine. Alors, fortification, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Tokyo. Comptoir commerciaux sur le chemin, c'est le 14 avec 2 de science, c'est le 20 avec de la culture. Je pense que la science c'est quand même énorme, mais en même temps Bruxelles c'est énorme aussi. Allez, les sous! Bah toi tu dors, tu restes avec ton piqué. Mendes, encore une petite ville, hein. Il fait quoi lui? Un campement? 3 tours. À te développer, hein, Mendes. Peut-être envoyer un bâtisseur. Sauf que ça y est, c'est bloqué, on ne touche plus. 4 tours, allez, chez Dette, c'est pas sué. Le colon chinois bouge jamais plus. Un fusillé sans vous être mis à sa place. Voilà, je crois avoir. Il sera à la vôtre et vous serez armé. Je vais pouvoir avoir mon nouvel éclaireur qui est un ranger normalement, l'opéra, si je ne me trompe pas. C'est quand un type se fait poignarder dans le dos et qu'au lieu de saigner, il chante. Ah bah c'est cool, un dogme en plus. Alors, à cadette. Bah, Kemenu, ça serait bien. Hop. C'est parti. Aviation, chimie. On peut faire la bourse, côté or, on est bien. Oh, que ça me plaît. En même temps, le cuirassé à vapeur, ça serait pas mal. On va chercher le charbon. Allez, un dogme. Terre brûlée. Ouais. Coup des colons, moins 50. Et coup des cases, moins 20. C'est énorme. Alors nous voilà, à pu, bah t'as pas le choix. Tu fais un grenier. Hop, on voit la construction en cours. Ah non, mais c'est bien. Hein. La carrière, on voit les grues. Hein. Alors, ici, donc, je gère Kaboul. On est d'accord, ok, je suis le suzerain. Là, c'est la Valette, j'ai déjà envoyé 3 bonhommes, aucun suzerain. Oh, bah, on peut bourrer la Valette. Alors, on va dominer la région, de toute façon, comme ça. Et tour suivant. Bon, déjà, une super merveille, quand même, le Colisée, quand j'y repense, si je regarde mes rapports. Ah! Bon bah Darmolo. Allez. En avant. Bah c'est quoi? Une caravelle de Bruxelles. Je n'ai pas fait de caravelle pour explorer les petites mers. Il y a peut-être des îles à coloniser encore. Et vous voyez le temps que ça me prend, j'arrive toujours pas à finir ma péninsule là. Onze tours, punaise. Bon bah il nous a repéré, j'ai perdu mon espion ou quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Poursuite. Agent Aboubakar, butin, rien poursuivi par la police. Par bateau, par véhicule ou à pied? Bateau. À pied. D'accord. Et là. Ah merde! Allez, on va pas le perdre. On va payer. Bien joué le grec. Au revoir. Est-ce qu'on peut faire marcher, tiens, tant qu'on y est? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ouais.
Là, je lui fais une faveur, on a fait les cons, et puis je lui donne des cadeaux. En attente de mission, agent, eh ben ouais. Attends une seconde. Rakedet, ouais, tu es là, toi. Implanter un espion. Choisis une ville à espionner. La Chine. Xian. Allez, on va monter. Obtention. On va confirmer l'implantation à Xian cette fois. C'est plus logique si on leur fait la guerre. Bon, ça me coûte cher hein, de le sauver quand même. 30 tours, je perds de l'or. Unité en attente. Alors, le bâtisseur. Ça va donner de la production, de l'habitation. C'est une bonne chose. On va être prudent, je sais pas trop où ils en sont techniquement, les barbares. On peut plus bouger de toute façon. Et on passe le tour. En terminant une route commerciale de vers Mendes, on a gagné un comptoir commercial. Ouais, il va falloir faire d'autres routes. Hein. Le Japon a construit une usine électronique. Ah, ils sont en avance sur nous, hein, côté usine, j'ai l'impression. Allez, 4 tours pour l'usine. Allez! Ah, je paye quand même. D'accord. On peut se barrer s'il y a du grabuge. Alors, ouais, on va augmenter ta production, Abydos, puisqu'on veut des bateaux. 13 tours, non. Voilà, mon commerçant me dit d'aller à Neken. Ce serait pas mal. On va te désenclaver. C'est parti. Mendes. Alors, on veut augmenter sa production, mais je n'ai plus de bâtisseur, je ne crois pas. Clac. Bon, on a de l'or, hein, on pourra faire beaucoup de bateaux. J'aimerais bien en avoir au moins 3. 2, c'est le minimum. Et cette musique. Bon, Bruxelles, comment c'est un gros portuaire, enfin une grosse base de bateaux, regardez ça. Oh! D'accord. Je n'ai pas de. Ah! Si tu veux. Allez, on va te faire plaisir, plus de culture. Un par ville, c'est quand même bien. Et on choisit une production à Chedette. Merci Chedette. Alors. Tu veux faire une usine? On va développer un peu les cités. Et je vois que mon colon est disponible. Alors, en colonisation. On va pas aller là-bas, ça va pas. On va s'enfermer au pôle sud. Ben, on file, hein. On file clairement. On va l'envoyer là-bas. Pendant ce temps. Alors toi tu me dis Victor Majeur. Là-bas. On fait un repli stratégique. On se retranche. On va jouer la prudence. Sirène, moulin à eau, nourriture plus 1, production plus 1. Oui. Complètement. Vu la progression très très lente de cette ville. Alors, le Japon a changé pour une république classique. Ah bon? La République classique. Ah, il est revenu en arrière. Punaise. À pot ses défenses, très bien. Ouh, une frégate. Ah bah voilà ce que je craignais. Les barbares sont beaucoup plus forts que nous. Je n'ai pas beaucoup de défense à Kaminu. In. Oui, bah bâtisseur ou espion. Et là tu me dis quoi? Une banque bien sûr. Je pense à une zone industrielle quand même parce que regardez là. Ouais, il nous faut clairement un bâtisseur avant.
petite ville comme ça. Hop. Heureusement que Darmolo t'est échappé. Tu nous proposes quoi? Des fourrures, 16 pièces d'or contre ça? Oui. D'accord. Je suis d'accord. Au revoir. On est bien avec le Japon. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs... On peut pas envoyer une délégation? Je ne comprends que l'amitié ou la politique de la terre brûlée. D'accord, tu veux pas... Il faudrait une armée plus puissante pour être bien avec toi. Terre brûlée, merci. Alors, on est à Kemenu. Tu vas aller à Inmachatrukmush. J'arrive pas à la prononcer, cette ville-là. Allez, fais-moi une route là aussi. Bah, restaure-toi. On va se défendre, on va attendre le colon. Voilà. Histoire naturelle. Clac. Là, je me pose pas trop de questions pour l'instant. On a 9 ans, certaines. Bon, Memphis. Tu vois, ta zone industrielle, pas encore. Les égouts, pas encore. L'Alhambra, ça donne quoi? Deux activités. Deux points de général illustre, doit être absent au campement. Ah, bah oui. Allez. On va faire une merveille. On continue. Saïs, j'ai fini mon usine. Alors, du coup. La Rourde en 33 tours. Le palais du Potala, c'est quoi? Ouais. Fais-moi un bâtisseur avant. Je suis désolé, mais il faut vraiment des bâtisseurs. Kemenu. Tu peux faire un port. Mais avant le port, bâtisseur aussi. Alors, on avait développé la Valette. Et la Valette, ça en arrive à 6. Production plus 2 pour chaque campement lors de formation d'unité. D'accord. Alors, on va monter. L'avantage 1-0, on va continuer Preslav, on va monter en puissance. On confirme. Ce côté-là, c'est pas mal du tout. Bon, pas de frégate ennemie. On en est où pour les bateaux là? 9 le corsaire, 3 tours la frégate. Ouais, il faut qu'on détruise ce camp barbare quand même, qu'on aille implanter le colon. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à Rakedet? Ah! Canon de campagne, clairement, ouais. Allez, au boulot. Chedet, Tokyo, Séoul 14 et 2. Oh, on a perdu de l'argent. Hein. Allez, on refait du max. Rester à 100 de pièces par tour, c'est quand même bien. Donc, tu peux tout faire à Cadet. Université, ça serait pas mal. Un espion de plus, ce serait pas du luxe. Ah! Donne une activité en plus aussi ici. Arena. 6 tours. Non, pas encore. Me pose des questions. Ranger, ah mais c'est balèze ça, 18 tours. En fait en production je suis pas terrible. Je n'ai pas de relique, j'ai pas trouvé de relique de toute façon. Allez, va pour la science. La capitale pour la science. Après on prend peut-être une zone industrielle pour développer la capitale. D'ailleurs ici, pas de ville mais c'est peut-être gênant. Alors, dénonce le Japon, la Grèce, adopte la doctrine du gratte-ciel ou. Place des actes, le Japon dans une civilisation. Rien ne nous prouve que l'humanité est sortie gagnante lorsque la science a mis au point le moteur à vapeur. Voilà le charbon. Ça, c'est bien. Acier, aviation, chimie, électricité, sciences économiques en priorité. Alors, le Caire, on a aussi un camp de campagne. Bon, on va libérer là-bas. Putain, il faut que j'aille jusque là-bas. Là-bas, Saïs, hein. Et puis Saïs, tu vas aller à Gizeh. Allez, ça sera moins long.
Mon bâtisseur, Hachedette. Est-ce que j'aurais quelque chose de génial à faire? Oui. On va augmenter la production. Une série. D'accord. Je pourrais faire une usine. Et en même temps, je pourrais faire une bombarde, peut-être. Parce que j'en ai que deux. Une troisième, c'est bien. Le Caire. J'ai jamais réparé le lieu saint, oui, je sais. J'ai un camp. J'ai quoi ici? Non. J'ai une carrière de pierre ici. Ici aussi. J'ai pas de charbon par là? On va faire de l'or. Allez, une banque. Tour suivant. Ah, c'est quoi ça? Ah non! Place commerciale, on dit moi qu'on a du charbon dessous, c'est une blague. C'est la misère. Alors là c'est déjà fait. Tu n'as pas de sphinx toi? On va développer ici aussi. Tu as fini la frégate? Très bien. Thèbes c'est très très bien. On va continuer une autre frégate. Alors, Xian, obtention de source, espion déficieront visiblement de 2 niveaux de plus pendant 24 tours. Ça marche. Voilà. Mon bâtisseur est libre, c'est bon. Du coup, on va raser l'aménagement. Là, ah bah voilà, du charbon, enfin. Ah, mon premier navire. Premier navire de guerre. Bon, bah écoutez, ça se développe bien. Et c'est ici, on va terminer sur ce tour-là. On va donc faire la merveille, le Hour. Production plus 30% dans la ville. Plus 1 pour chaque mine et carrière. C'est énorme. Et on a nettoyé, on va être proche de l'usine. Donc oui, ici. Impeccable. On va terminer nos petits tours. Écurie, production plus 1, invitation plus 1. Là aussi, on va développer le campement. Et on va finir. C'est énorme tout ça. Preslav. Voilà. Confirmé. Du coup, Preslav. Pas encore. Ah, il y a une compète. Hein. On va pousser. Bah écoutez, c'est bien. Au niveau de la carte stratégique, on a bien colonisé ici. Mon navire de guerre va se rapprocher du camp barbare avec ma cavalerie qui restaure. On va le nettoyer au prochain tour. Et on a commencé à produire la Roue à Saïs. Et on a fait le Colisée. Regardez-moi ça. Le Colisée de l'Empire égyptien. On parle d'un empire quand même, là, c'est grand. Hein. Ou un empire qu'on aura colonisé de l'autre côté. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Camon, c'était l'épisode 15. Ciao, ciao, ciao!